j'espère pas prendre de risques. Oh là, c'est horrible. Let's go. Non. Vous êtes dedans, mais élastique que vous êtes. Ah ouais, moi je suis un élastique. Ficello. Oh le salaud. Yes. Oh, l'advertime. Vous y débarque sur un spot ou quoi? Oh yes. Bon là on s'est bien échauffé sur le spot et on a repéré deux roof gaps. Mathieu il est en train de se chauffer, je pense qu'il va le faire. Prise d'élan ici. Et genre là on arrive de l'autre côté, c'est un espèce de parking. Il y a une espèce de petite casquette béton là qui ressort. Ça part? Ouais. Chill. Vas-y, je m'essuie les pompes, ça part. Je pense que ça fait en vrai. En vrai, il n'y a pas de raison, il n'est pas très grand. C'est juste un peu mental comme d'hab parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, mais normalement, on fait jamais d'erreur sur ce genre de truc. Ah, il fait chauffer sa merde. Je vais devoir m'habituer au setup. En vrai, c'est un angle comme ça. C'est terrible. Tac. Vas-y, ça part. Ça va pas prendre de risque. Vous êtes prêts? Ouais. Yes. Il est chaud. Il est chaud. Ah là là. En fait, ce qui est horrible, c'est que genre le départ c'est ça et l'arrivée c'est ça. Donc t'as pas le droit de partir de à droite à gauche quoi. Non c'est fou. Ah tu l'as éclaté. Ah mais ça se prête hein. Mais le départ mec c'est une horreur. 2 1 Yes. Yes. Ah BG. Ah il est tout content hein. Yes. Il est content Mathieu. Ah, ça fait plaisir. En vrai je suis quand même bien content. Parce que c'est mental ce genre de truc. Ça fait monter le BPM comme il dit Mehdi. Genre ce moment où tu décides d'y aller. Après on peut y aller parce que on fait du parcours depuis des années. On vous encourage pas à vous lancer sur des sauts comme ça. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir fait beaucoup de parcours, on sera capable de partir sur des challenges comme ça. Au final on le compte, on se rend compte que c'est possible. On peut se lancer en sécurité, c'est ça le principal. Là on vient de finir la petite session coucher de soleil. En vrai c'est trop cool les petites sessions comme ça. Après une journée post-prod ça fait plaisir. Quand il y a un petit sunset et tout c'est trop agréable. Ça fait trop du bien de bouger à cette heure-là de la journée parce qu'on a grave d'énergie. En vrai je crois faut qu'on fasse plus de roof gap comme ça. Parce qu'en vrai le fait de se mettre dedans, tu repères le truc et tout, tu vois si c'est possible, tu regardes la récepte, tout le processus en fait c'est. Moi je trouve ça incroyable. C'est trop kiffant. Putain, Storor c'est des malades hein. Les roof gap à côté là, ça c'est rien. Ce qu'ils font c'est tellement abusé. Ouais, ça me fait des putains de photos du coup, faut qu'on en fasse plus hein. Bah, Félix il te demande, vas-y refais. Tu te dis oh, vas-y pour la photo ça va le faire. Il fait des photos de ouf en vrai, c'est incroyable. Bon en fait la session elle est pas terminée parce qu'on a trouvé une petite fontaine. Tellement agréable les chaperesses, je m'en lasserai jamais je crois. Pourquoi tu fais autant de chaperesses lui? J'ai un petit objectif, il y a un petit truc en tête, je vais pas dire ce que c'est mais peut-être que dans quelques mois vous verrez. C'est vraiment un singe de mec. Il fait que chaperesse c'est 9,5, il court pas. Moi je l'ai fait tout à l'heure, j'ai dû cavaler mais comme never. J'arrive pas à le faire. Oh non. Mais gros j'arrive pas à le faire. T'es tellement proche. Allez. Mec t'es tellement proche. Allez. Yes. Et la Ménard là il était en deux pas d'élan. Ça me fascine. Ça va. Non mais c'est moi aussi je peux faire. Je peux me plaindre quand même. Moi ça me démange là, je vois deux murs, de l'élan, ça va être presse en vrai. Moi j'ai pas fait beaucoup de water challenge là, c'est à moi. De toute façon c'est pas ma paire de pompes, je peux la mouiller, je m'en fais un peu les steaks. Ah le salaud, c'est les miennes. T'as plus ta part hein. Ouais.
de plus en plus proche, franchement. Je crois que c'est pour le prochain. Merci. Vous êtes de gomme, élastique que vous avez. Ah ouais, moi je suis un élastique, ficello. Très jeune, très brave. C'était quand même bien, non? Pardon? C'était bien, non? Attention, hein. D'accord, moi j'étais dans votre business dans le temps, hein. C'est vrai? Bah oui, hein. Vous étiez dans le game du... Ouais. Ah ouais, oh, ouais. Ça c'est vous? Ouais, ça c'est moi. Oui. Voilà. C'est merde, mon gars. J'ai cru que c'était mon pote Mehdi, mais en fait non. On va arrêter là. On va chercher un spot de dodo parce que là, il en peut plus. Voilà, je vais poser ma tente, je vais dodo direct et je vais m'entraîner à en faire plus. Tiens, toi, t'as besoin. Non, oh oui. T'as besoin de protéines. Moi qui ai besoin. Mais toi, t'as besoin aussi. Bah t'inquiète pas. J'ai en prise de masse. Mais regarde ce que tu manges, frérot. Oui, mais ça, c'est du riz. Il est en train de manger dans le. C'est le genre de d'assiette. Oh, en fait, il mange mais pour frérot. Tout le monde. Vas-y, bah bon up, Jérém. Bon up. Oh là. Oh. Là, il y a le T3, là. Là, c'est le palace. C'est le mobilhome, ouais, c'est le mobilhome de Mathieu. Là-dedans, on peut faire dormir 5 Mathieu, je pense. Et il est tout seul. Hop. Et là, on a quand même pas mal d'espace. On est relativement bien. J'ai un peu un duvet de l'espace parce que je suis le plus frileux. Du coup, j'ai un moins 39 de température. Ouais, c'est extrême. Extrême. Confort moins 9. Mais je caille quand même. Un oreiller. Oh là de là catégorie là ergonomique pour les petits torticolis pour être en forme et un petit matelas plaisir. Donc voilà. Ok, aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence. On est à Porto Venere et en garant le van hier soir, on a repéré un super spot de parcours. Du coup, là on s'y rend avec les gars. Et en plus, aujourd'hui il y a le soleil, du coup, ça s'annonce une bonne journée. Et après, on va aller sur un spot de cliff que Enzo nous a donné. Du coup, ça va cliff, faire du parcours. Cette petite ville, elle est vraiment incroyable parce qu'en fait, tout le long du port, enfin tout le long de la côte, il y a des petits spots comme ça partout avec des murs. On dirait que ça a été fait pour nous, c'est n'importe quoi. Incroyable tout ce spot. On l'a découvert en se garant. Comme quoi, des fois, il faut pas chercher, hein, ça vient tout seul. Aujourd'hui, j'ai mal au cou, je sais pas pourquoi. Donc, je peux faire que des trucs dans l'axe. Mais bon, ça va pas faire changer mes habitudes. Du coup, je vais faire des chaperesses. Et là, j'en ai trouvé un petit que je vais rajouter à ma collection. J'ai mis une petite serviette sur le mur parce qu'il fait mal aux mains, mais ça va le faire. Quand la course d'élan elle est bien, tout se passe parfaitement, c'est incroyable. Là il y a tout le monde qui a fait son petit move un peu sur le spot. Et en vrai on s'est dit pourquoi pas faire une line à plusieurs comme à l'ancienne. Flo il a sorti le ronin. Vous êtes prêts ou pas? Vas-y, on teste pour les timings. A tous en place. Ah oui, je suis filmé, c'est chaud. Moi je suis ready. Comme il y a beaucoup de mouvements, les gars ils sont obligés de faire plein de tests pour arriver dans le bon timing et pour le filming aussi. Déjà faut bien réussir son move et en plus genre faut avoir le bon timing pour que quand Flo il passe avec la cam, il n'y ait pas de pause en fait. On a fait une petite prep pour que tout le monde se calibre et en vrai je pense que ça va partir. Ça fait plaisir des petites lines à l'ancienne comme ça. Avant on faisait toujours ça, mais vas-y ça fait du bien de ressource. Bon allez, j'espère qu'on est bien tous chauds. Premier test. T'inquiète. Bah voilà, c'est. Force d'attendre, on est plus très chaud, mais c'est bon. Au moins, ça m'a remis dedans. Le prochain, il va passer. Putain! Chier! Passe quoi? Ah, elle va être dure celle-là, je sens. Elle va être dure parce que. Chaprès, il est pas non plus tout petit. On va l'avoir. Faut pas oublier Florian qui court derrière les gars. C'est compliqué en vrai le filming aussi. En plus ce qui est dur c'est que si le début il va pas, et bah les gars qui sont censés faire leur move à la fin et ils se refroidissent, du coup c'est un cercle vicieux. Mais surtout, si le mec de fin se craque, faut tout refaire. Surtout ça qui est chaud. Bon bah ça repart. Ça repart, il faut faire plein de try. Désolé. Allez,
comme ça tout pensi. Bravi, bravi. Yeah, ok. Est-ce que ça va être bon niveau filming? Oh, c'est nickel en vrai. C'est bien. Oh là là, secret. Yes, putain, ça y est, on a fait la petite line. À l'ancienne, on faisait beaucoup ça. Genre des lines à plusieurs comme ça au Ronin. Et puis comme Flo s'est blessé, bah, il prenait plus le Ronin pour courir derrière nous. Du coup, on n'en faisait plus, mais là, ah, ça régale d'avoir refait ça. On va aller au soleil parce que mine de rien, ça caille un peu. Du coup, il y a une autre partie du spot qui est tout là-bas, au soleil, donc ça va partir. Enzo, il a une immense perche en carbone. Et genre, il peut du coup faire plein de mouvements avec sa caméra 360. On dirait qu'il part à la pêche, là. Oh bah il a lancé. Mais ce genre de prep, en fait il le fait dans la prep, du coup bah après il n'y a plus qu'à le faire mais il l'a déjà fait. En fait ça n'a aucun sens ces prep. Wouah, c'est de la merde. Demain. Ça vous plaît quand même le spectacle ou quoi? J'adore. Ouais. Ah, franchement, j'adore. C'est pas mal. Je suis fan, vraiment. Si vous voulez voir le résultat, ce sera sur YouTube. Wheezy Gang, d'accord. Eh ben, on va regarder merci. Ça ce soir. Ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous serez dans la vidéo. Bon courage. Les gars, ils sont partis aller chercher les combis et ça part sur une fin de training et on va partir cliffer. Let's go. Bon, on arrive au spot. Il y a un sacré vent et ça va envoyer. Je pense que le sunset, il va être au top. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, oh là, là, il fait froid. On est. On vient juste d'arriver au spot. C'est tout là-bas. On voit notre petit spot. Il y a du soleil juste là. Il y a un peu de vent. Mais franchement, les conditions sont réunies pour faire une petite session. Je vais pas vous dire une grosse session parce qu'on est fatigué. Ça y est, c'est le moment de se foutre en combi, d'amener un peu de hype et de se jeter dans l'eau. Ça fait bizarre de se dire qu'on va être dans l'eau dans quelques minutes là. Il fait vraiment pas chaud, mais il y a un beau coucher de soleil, ça va être trop cool. Wouah, le BG il se prépare. Je suis pas sûr non plus. Arrête. Je t'ai focus là. Putain, la Dolce Vita c'est bien, mais l'été. Hein. L'hiver ça caille. Mais bon, en vrai, le spot il est bien cool. Il y a du fond partout. Enzo il a déjà sauté ici, du coup il sait qu'il y a du fond. Allez, Barani. Allez, petit Barani. Oh, y'a du airtime! Y'a du airtime! Si, mec, allez! Y'a du airtime, les gars, y'a du airtime! Allez, Mehdi! Fumier de qualité! Allez, Mehdi, tu te débloques, mon gros! 2, 1, samedi! Allez! Yeah! 3, 2, allez, finis, c'est lui. Allez. Oh oui. Yes. 2. 1. Yes. C'était une petite session expéditive. On n'a pas fait grand chose. Mais bon, le soleil il est déjà en train de se coucher là. Ça fait plaisir au moins de s'être un peu baigné. Ça part sur une fin de session et une fin de vidéo parce que là on est tous un peu morts. Et puis ça caille de ouf, du coup on va pas insister. Franchement merci beaucoup de regarder tous ces épisodes de la Dolce Vita. Nous ça nous fait kiffer de vous embarquer avec nous dans ces petits voyages. On kiffe et visiblement vous aussi puisque vous nous envoyez plein de messages. On essaie de répondre à tout le monde mais c'est compliqué. On se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!
ça va, ça.